Coucou tout le monde. Bon voilà, hier j'étais pas là, donc chez les petits-enfants, avec les petits-enfants. Et quand nous sommes rentrés le soir, il y avait du courrier dans la boîte aux lettres. Alors j'ai reçu deux courriers pour le concours. Hier soir j'ai tenté de faire une vidéo et j'étais trop fatiguée, donc ça a loupé. Donc je recommence. Donc j'ai reçu deux concours dans ma boîte aux lettres, deux courriers pour le concours dans ma boîte aux lettres. Donc un, deux. Chirol, Madame Chirol, c'est. Attendez, je vous prends sa petite carte. Je l'avais déjà ouvert hier, hein, donc. Si je trouve sa petite carte. Je l'ai mise, je sais pas. Ici. Voilà. Désolée. Donc, on a un courrier de Valérie Chou. Avec sa petite carte dedans. Voilà. Donc Valérie Chou m'a envoyé un petit courrier pour le concours. Sur sa petite carte, elle marque j'aime tout. Mes petites préférences pour le shabby, le vintage et j'adore la dentelle. Pas de préférence pour les couleurs. Elle adore les animaux et surtout les chats parce qu'elle en a 15. 15 chats à gérer. Elle doit quand même avoir pas mal de place, je crois, parce que nous avec deux, c'est. Donc Valérie, je te remercie déjà d'avance. Alors, la surprise, elle n'est plus vraiment là parce que j'ai ouvert le courrier hier, mais je suis ravie de vos envois. Alors, tout d'abord, Valérie m'a fait une très jolie carte comme ceci. Elle est magnifique. Donc, je vais essayer de vous l'approcher un peu, peut-être pour la détailler. Regardez-moi ça. Alors, dessus, le fond, c'est un petit ours. Une petite fille ours, elle a mis plein de dentelles autour, elle a mis des petites plumes roses avec de petites marguerites, une petite fleur fait maison là au crochet, voilà, comme ça on la voit mieux, et sa petite cafetière en bois, des petits, comment ça s'appelle, des petits strass comme ça, elle est tout simplement magnifique. Et à l'intérieur, Valérie m'a mis son petit mot, donc ça c'est pour moi. Oh, remarque, je peux vous la lire. Alors, coucou petite frimousse, comme promis, voilà ma petite participation à ton concours. Je suis très contente d'y participer car j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est toujours plaisant à te regarder faire. Tes petites merveilles. J'ai été distraite par une moto qui vient de passer. Bonne continuation, bonne journée et gros bisous. Et gros bisous aussi à toi Valérie. Alors, dedans, elle m'a mis. Une petite fleur fait main comme ça. Elle m'a fait une petite pochette sur la carte. Et elle m'a mis de très jolis napperons. C'est des napperons, moi j'aime bien parce qu'ils sont très 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 fins comme ça. Mais regardez la couleur. La couleur, elle est superbe. J'adore. Ça, sur des créations, ça va être super génial. Alors Valérie, je sais pas si tu les as trouvés directement comme ça. Parce qu'on dirait que c'est du. Alors, ou tu les as fait toi-même dans du papier, ou tu les as trouvés dans ce coloris. Mais en fait, c'est splendide. J'adore. Et un petit tag Comment ça s'appelle ça? En liège. Alors, moi, ce petit tag en liège, je. Par contre, j'aimerais bien qu'on me dise si quand on tamponne dessus, il n'y a pas de souci, si l'encre se marque bien sur les petits tags comme ça, parce que c'est mignon tout plein, et j'en ai 3-4 comme ça. J'ose pas tamponner dessus. Ou alors si on doit mettre une feuille de papier, vous savez, un petit. Voilà. En papier dessus avant. Donc sa carte, regardez, elle est super jolie. Et Valérie ne s'est pas arrêtée là. Dans son envoi, elle m'a mis plein de petites. Des petites goodies. Petites goodies, type breloque, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc elle m'a mis. Je vais le mettre sur mon tapis. On va tout étaler. Je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir. Plein de petites choses comme ça. Donc il y a toutes sortes. Il y a les petites sucettes, là, elles sont super jolies. Je crois que c'est fait main d'ailleurs. Le petit, un petit sucre d'orge. Enfin, moi j'avais un sucre d'orge. Des petits embellissements. Une deuxième petite cafetière comme ça. Des petites étoiles en bois. Des petites fleurs en papier. C'est super joli.
je me répète. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a mis un deuxième petit sachet avec dedans. Alors moi j'adorais. C'est des embellissements pour l'automne. Je veux dire l'automne. Et c'est super chouette. Parce que comme l'automne va être vite là maintenant. J'adore l'automne pour ça, moi. Regardez. Oh. Non, on s'envole pas maintenant. Regardez ça. C'est super chouette. D'ailleurs là, il y a une chouette ou un hibou. Je ne sais pas quoi les reconnaît, les chouettes et les hiboux. Mais enfin bon, nous on en a ici, hein, les chouettes et les hiboux. Je suis à la campagne. Regardez, c'est mignon ça, avec les glands. Et c'est en feutrine. C'est super beau. Super beau, super beau. Je te remercie énormément Valérie de ta participation à mon concours. Je remercie également pour toutes ces petites attentions. C'est super gentil. Donc Valérie, tu auras le numéro 14. Voilà. Et donc, du fait, j'avais préparé, je crois, mais... Je vous dis, j'étais tellement fatiguée hier soir que je crois que je ne sais plus, je les ai mis en fait. Il semblait que j'avais préparé les numéros, mais c'est... Ah si, oui. Oui, je les ai préparés les numéros. Alors, dans mon petit carnet, il y a Valérie, Valérie Chou, avec le numéro donc 14. Et donc Valérie, voilà, numéro 14. Ensuite, je vous montre le deuxième colis, qui m'a fait super plaisir aussi. Je suis restée un peu sur le cul, on va dire. Alors, le deuxième envoi, il est de Domi Scrap. Alors, Domi déjà, tu as le numéro 15. Donc, Domi, je t'avais donc déjà noté, vu que ma vidéo avait foiré. Numéro 15, Domi, Domi Scrap. Donc, dans le petit pochon, et Domi, donc, je t'avais noté ici. Voilà. Donc, les cartes de visite vont aller directement dans... Alors oui, par contre, Domi, Domi, tu ne m'as pas fait de carte de visite. J'avais demandé une carte de visite de 12,5 sur 7,5, et j'avais expliqué... Mais bon, je vais le redire à chaque fois que je fais une vidéo du concours, comme ça vous le saurez. C'est pour noter d'à côté vos coordonnées, c'est-à-dire vos noms, prénoms, adresse postale, votre email et votre pseudo. Alors, je demandais que si vous en aviez plusieurs, me mettre en priorité le pseudo YouTube. Et si vous n'en avez qu'un, vous mettez votre pseudo, tout simplement. Donc voilà. Et de l'autre côté, donc de ce côté-ci, j'avais demandé de noter vos thèmes préférés, soit, alors ça fait plusieurs thèmes, hein, tous les thèmes, hein, vintage, moi je dis steampunk, enfin bah, tous les thèmes quoi, hein, shabby, etc. J'avais demandé de noter vos couleurs préférées, si vous aviez d'autres préférences, et surtout là, dans le bas, ce que vous n'aimez pas, vous n'aimeriez pas recevoir parce que vous n'aimez pas, donc ce que vous n'aimez pas, voilà, c'est très important. Moi, on ne fait pas d'appair. Donc voilà, ça c'est. Alors, oui, j'étais super contente, c'est agréablement surprise, parce que Valérie m'a envoyé de très très jolies choses aussi. Regardez-moi ça. Une carte Gorgeous, avec sa petite capsule comme ça. Moi j'adore les Gorgeous, hein. Je crois que maintenant tout le monde le sait, je suis partie de la tribu Gorgeous. Et j'adore aussi les manuels. J'en profite pour le dire en passant. Donc regardez-moi ce travail. C'est super joli et délicat. Toutes les petites fleurs là. Il y a un peu de résine, mais tout le reste est en papier et même les pistils. Un petit napperon. Le tampon est juste trop beau. Et la bordure dentelle, j'adore. J'ai pas ce genre de bordure là, mais j'adore.
J'adore cette bordure dentelle. Et à l'intérieur, bon, elle m'a mis son petit mot. Regardez, c'est aussi sur le thème Gorgeous. Donc, elle a dû entendre quelque part que j'aimais bien les Gorgeous, Dominique. Je te remercie du fond du cœur. Alors là, c'est pareil. Coucou Claudine, voici ma participation à ton concours. J'espère que tout te plaira. Oui, tout me plaît, ça me plaît énormément. Alors, comme j'avais déjà ouvert, mais je suis toujours aussi contente, hein, n'ayez pas peur, hein, la surprise était là. Et dommage que ça ne s'est pas vu en direct, on va dire. Alors, je vous montre. Elle m'a fait, c'est un genre de petit livret comme ça. J'ai enlevé le nœud, j'aurais dû vous le montrer avant avec le nœud. Pas grave. Alors, un petit livret comme ça qui rappelle un peu le devant de la carte avec des fleurs en papier avec ses petits pistils. J'aime bien les petits pistils, là, comment c'est fait. Et là, il est marqué pour toi avec une petite gorgeuse. Et le fond, là, c'est des gorgeuses. Et ça, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait en dégradé, le fond ici. Mais c'est super joli. Alors, c'est un petit livret qui s'ouvre. Oh, je viens de faire tomber quelque chose. Je vais l'ouvrir, le remettre. Ah oui, oula, il y a eu du déménagement de fées dedans. Attendez, j'en mets en place avant de faire voir. C'est un petit livret donc qui s'ouvre. J'ai un chat dans la gorge comme ceci. C'est magnifique. C'est splendide. Le système en lui-même est tout simple, mais je trouve ça magnifique. Avec les gorgeuses, ça ressort, c'est vraiment super beau. Et de l'autre côté, ça donne ceci. Voilà. Moi qui suis en admiration devant les gorgeuses, j'en ai des gorgeuses, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de modèles que je n'ai pas de gorgeuses. Et que je retrouve là, et ça me fait super plaisir. Alors, j'ai préparé une vraie famille de feuilles blanches, peut-être. Voilà, j'en ai une ici. Là, ça se verra mieux. Parce que, à l'intérieur, elle m'a mis, j'ai adoré, des petites découpes comme ça. Je vous les ai exposées. Ça ira un peu plus vite pour vous les montrer. Je ne vais pas faire mes vidéos trop longues, mais je trouve ça tellement magnifique. Je ne sais pas comment tu les. Si c'est toi qui les as tamponnés ou trouvés comme ça, mais j'ai trouvé ça super joli. Je vais faire comme ceci. Je vais retirer mon clavier qui prend trop de place d'ailleurs. Et je vais faire comme ceci pour. Regardez. C'est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est la texture. C'est la texture transparente, comme ça, c'est magnifique. J'adore. Ça, c'est un sablier. J'adore. J'adore parce que même il y a des choses que je pourrais mettre sur le steampunk. C'est super beau. Donc, tu me diras si c'est toi qui les as fait et sur quel papier, par exemple. Je vais t'en demander beaucoup. Hein. Et avec quelle encre? J'ai un peu de misère avec l'encre, moi. Alors, ensuite, elle m'a mis des magnolias. J'adore les magnolias. Moi, j'en ai quelques-unes. AliExpress, j'en ai commandé, mais je ne les ai toujours pas reçues. Alors, je trouve ça un peu bizarre parce qu'il me demande de valider ma commande et je n'ai pas reçu mes tampons. Elle m'a mis donc des petits tamponnages comme ça. Je ne sais pas ce que vous allez bien les voir. Ah oui, ça glisse. Voilà, je vais vous les approcher carrément de la caméra. Hop. Ils sont tout juste magnifiques. Je dis souvent le mot magnifique, mais c'est vrai que moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Celui-ci, regardez avec son petit ourson dans les bras. Et donc oui, des magnolias j'en ai. Et moi souvent ce que je fais à mes magnolias, ça ne devrait pas se faire, mais je le fais. Je leur ajoute une petite bouche là. Bah oui, je suis comme ça. Voilà. Moi s'ils n'ont pas de bouche, ça me désole un peu. Donc, ceci, c'était dans cette petite pochette. Voilà. Hop. Alors, dans cette petite pochette, il y a, et ça je ne connaissais pas du tout, des brades magnolias.
Ils sont super beaux. Ce sont mes bras. Super beaux. Ils sont à tomber. Je ne connaissais pas du tout. Alors, j'ai découvert également. Regardez. Des petits trombones. Comme je disais la fois passée, moi je vais faire collection de trombones. J'adore ces trombones. Avec toutes ces formes là, je les trouve pas moi. Petit trombone comme ça. J'ai une petite licorne et puis je sais plus. Il y a une abonnée qui m'a envoyé autre chose aussi, une petite licorne. Elles sont magnifiques. Bah oui, mais j'adore. Ensuite, alors ça, c'est super beau. Alors, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Je vais essayer de tout vous faire voir en même temps. Si je peux. Regardez. Tout des napperons. J'adore. J'adore. Et alors, ce que j'adore à tes napperons, alors, ceci, les découpes sont juste trop belles. Elles sont superbes. Alors, je pense que ça doit avoir des dits, sûrement. Et alors, celles-ci, je ne sais pas dans quelle matière tu les as fait, mais elles sont à tomber. Elles sont à tomber. Elles sont super, super jolies. Donc, voilà. J'ai de jolis napperons. Ils sont super beaux. C'est un régal. Un régal pour les yeux et la beauté de ce que... Oh, j'en ai oublié un, excusez-moi. Regardez. Super napperon. J'adore cette pochette. Elle est tout juste... Oh, puis, oui, j'ai oublié de vous faire voir. Bon, certaines doivent connaître, hein, certainement. Hein. C'est, à mon avis, je pense, ça doit être un marque-page. Alors ça... Moi, je vais m'en servir parce que je lis, j'aime lire. C'est une de mes passions, la lecture. Et du coup, je te remercie énormément. Il va me servir sur mes bouquins. D'ailleurs, je lis deux livres en même temps. Hein. Je vous explique. Je prends quand je vais chez... Je dois aller chez le médecin ou un spécialiste ou n'importe. Hein. Je prends toujours un livre avec. Et à la maison, avant de m'endormir le soir, bien souvent, je lis quelques pages aussi. J'aime bien. Parfois, ça m'arrive, je me mets dans le jardin et un peu à l'ombre. Et puis, je lis un peu pour prendre l'air, pour me changer. Là, je vais vous faire voir des merveilles. Tout est merveille. Regardez. Alors, d'abord, je vais vous faire voir ceci. Des petits brades, comme ça. C'est pas des brades, c'est des... je sais plus comment on appelle ça. Petites goodies, on va dire encore. Hein. C'est des... comme les perles. Hein. C'est super mignon. Il y en a de toutes sortes. Et ça. Alors ça, moi, j'adore. Les libellules, alors moi je suis comme Mélanie, encore pire que Mélanie je crois, hein, parce que nous on est carrément au fin fond de la campagne là, moi j'ai pas aucune habitation autour de chez moi on va dire, je suis au milieu des bois et de la prairie, et nous avons des lacs pas loin, et des libellules, Mélanie j'en vois super, on en voit beaucoup, on en voit très souvent, et là vraiment vraiment ça le représente bien bien les libellules. Elles sont géniales, elles sont magnifiques. Ça, si c'est des dits, tu me diras où tu les as trouvées, parce que je les trouve vraiment super beaux. Alors, moi je voulais courter ma vidéo, mais je crois qu'elle sera longue, hein, tant pis. Hein. C'est ma vidéo. Comme elle dit Mélanie, on s'en fout. Celui qui aime, il regarde jusqu'au bout. Celui qui aime pas, il a qu'à zapper. Voilà. Donc, ensuite, elle m'a mis, ça s'arrête pas là, oh là, je fais des bêtises, elle m'a mis dedans des grandes,
des grandes feuilles comme ça. Regardez, avec des gorgeous. C'est un, je pense que c'est de l'embossage. C'est des gorgeuses, c'est magnifique. Elle m'en a mis 4 différents, ils sont splendides. Je pense que c'est ça, hein. Ça doit être de l'embossage. Une plaque d'embossage. Elles sont juste superbes. Et avec, il y a les petits cœurs pour repositionner. Alors, je dois en avoir un là quelque part. Enfin, elle m'a mis les petits cœurs comme ça pour repositionner sur les cartes ou ne pas les mettre. On peut très bien faire une carte et puis le mettre sur l'autre côté, par exemple. Mais c'est tout juste trop beau. Alors, je l'ai vu, ce petit cœur, il s'est échappé. Peut-être même dans le... Attendez, là, voilà. Vous voyez, un petit cœur comme ça. Donc voilà, voilà le courrier que j'ai reçu, donc la surprise dans ma boîte aux lettres hier. Ces deux courriers, donc, de Valérie Chou. Je reprends la carte. Et Domi Scrap. Donc voilà. Elles participent tous les deux à mon concours. Elles ont respectivement le numéro, donc je le redis. Attendez, je referme pour rien perdre. Donc elles ont toutes les deux respectivement le numéro. Hop, un petit livret. Valérie Chou, numéro 14. Et Domi Scrap, le numéro 15. Voilà. Donc voilà, je suis super ravie, super contente. Je bégaye. Hop, je vous reprends. Alors, si vous avez aimé ces superbes créations, un petit pouce, elles le méritent, les filles le méritent parce qu'elles font de super choses, de super belles choses. Moi, je suis toujours ravie, ravie, ravie quand je reçois leur courrier parce que j'apprends à vous connaître et puis je vois ce que vous aimez et ça fait plaisir, quoi. Donc voilà. Et ah oui, je voulais vous dire. Vous vous rappelez ce que j'ai fait on est 15 jours là, samedi, donc dans la semaine. Dans la semaine, oui. Alors, ceci. Et ceci. Ben, vous savez quoi? Eh bien, c'est vendu. Voilà, on me les a achetés. C'est je ne vous dirai pas qui, mais on me les a achetés. Et j'ai une deuxième commande de boîte comme ça. Donc il va falloir que je m'y mette parce que je suis en train de faire les concours sur lesquels je m'étais engagée. Donc Tagada 83, elle devrait avoir reçu, je crois, aujourd'hui son enveloppe. Je suis sur le concours de Sabrina, si vous la connaissez sous le pseudo de Sab62666. Et je suis en même temps sur le concours de... Mais là, c'est Faisons connaissance et c'est pas mal du tout. Je sais plus, je l'ai mis là, par là. D'Aligon Art. Mais D'Aligon Art, c'est un Instagram. Voilà, je suis sur son... Oui, c'est Faisons connaissance. Et elle demande de lui faire un courrier pour apprendre à se connaître, tout ça. Et donc, voilà, je suis sur son concours en même temps, donc je suis en train de faire ces deux choses là et il va falloir que je vérifie mon calendrier pour voir si j'ai pas d'autres choses en cours parce que je sais pas. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous fais un bon dimanche. Non, on est samedi, encore la fatigue. Je suis désolée. Voilà, je vous dis un bon dimanche. J'ai adoré donc recevoir ce courrier. Je crois que je vais peut-être recevoir un express dans pas longtemps, donc je vous ferai une petite vidéo sur les Magnolia. Et sinon, je vous dis à la prochaine fois et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.